Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant ça va être un truc un peu plus tendu que d'habitude. Parce que là il y aura vraiment des boss un peu partout. On va qu'on se prépare tranquillement en paix. Mais il va comme par hasard nous embêter. J'espère que je vais pas l'air pour les autres. Et bah si. Voilà, normalement ici ils sont pas censés monter. Donc, ça peut être super intéressant de les voir. Là on a un gros boss à affronter. Je veux peut-être utiliser un truc dans mon inventaire. Vous allez dire, tu veux utiliser quoi? J'ai des boules en fait, des projectiles comme ça. Je pense qu'on pourra les utiliser contre ça. Attends. Voilà, on va utiliser ces trucs-là. Je disais qu'il montait pas en fait finalement. Il montait. J'en ai déjà tué quelques-uns, donc là il me reste que les gros. S'il me reste que les gros, ça va être bien. C'est vrai qu'ils vont tout porter comme un gros con. Attends. Voilà, distance. T'inquiète pas, je vais pas ça. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas tout ce qu'il y a de que j'ai envie de dedans. Là on va utiliser quoi, la dernière boule. On va prendre son côté hein. Écoute, voilà. Ils vont revenir ici. Et là on va utiliser les derniers retours. Bien viser le réservoir. Et je l'ai bien endommagé là. Nettoyer complètement. La 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 la, tout a été nettoyé. Oh là là, regarde-moi ce qu'ils m'ont offert, des gros cadeaux. Oh, c'est quoi ça? Lentille de mastodon. Ah, il me la faut celle-là. Hein. Alors, je vais en virer une qui doit être vraiment pourrie, je pense. C'est lesquelles ceux-là? Ah bah oui. On va virer ceux-là. On va prendre la lentille du mastodon. Je peux pas? J'ai déjà trop de choses. Non, parce qu'on body c'est pas ça. C'est dans inventaire que t'as beaucoup de merde. Attends. Ouais, c'est ça. Ah, ça doit être ça, c'est pour ça. Ouais. C'est même pas les trucs ici. Donc, ceux-là, tu peux les récupérer finalement. Comme ça, on les revendra plus tard au marché noir. Et là on a quoi?
prends encore quelques trucs. Voilà, non, j'avais raison. Donc ça, on est vraiment à fond partout finalement. Donc ok, on va virer toutes ces conneries là. Allez, tu t'en vas. Tu t'en vas. Et tu t'en vas. Le verre également. Sacré galère tous ces petits trucs qu'ils nous mettent. Hein. Allez, récupère le violet. Voilà. Ça nous en fait une belle petite collection là, cette fois-ci. Hein. Donc cette zone-là, elle est nettoyée. Ok, cool. Donc là, normalement, il n'y a plus de zone corrompue, si je me souviens bien. Peut-être qu'il en reste une quelque part. Ah, il y en a encore une. Niveau 23. Pff, on va rigoler. Hein. Allez, on se rend, on y va directement pour la dernière zone. Comme ça, on aura tout simplement capturé tous les feux de camp, toutes les zones corrompues. On aura aussi amélioré toutes nos armes. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Non, mais non, c'est ce que je vous ai dit, hein, le combat est beaucoup plus facile. Hein. J'ai pas trouvé ça trop trop dur là. On était super avancé au niveau des équipements. Mon armure me permettait de vraiment absorber les dégâts confortablement. Et ça, c'est vraiment un plus. Parce que c'est pas tout le temps que t'as cette chance de pouvoir absorber autant de dégâts. Rappelez-vous les premières armures, comment je dégustais, c'était n'importe quoi. Hein. Je me souviens que c'était un coup de tête, t'étais complètement en train de mourir. Mais comme j'expliquais, hein, fallait du temps, fallait fouiller un peu le jeu. Et maintenant. Le résultat fait que on arrive à s'en sortir correctement. C'est cool. J'aime bien. Bon, faut qu'on détruise tout ça. Bon, t'as sauvegardé au moins. On va parler avec la personne en question. Donc la zone corrompue, elle est là. Mais les gros monstres rapportent quand même pas mal de points. Désolé mon pote, j'ai voulu faire un câlin, mais pas du tout. Ah, vous voulez m'attaquer? Bon, je te ramasse pas parce que tu vas me donner encore de la merde, comme d'hab. Ça, ça rapporte 500 points en fait, hein. C'est cool. Oh merde, c'est plus moche. Écoute, je vais tenter une nouvelle expérience qu'on fait jamais. Si tu peux m'en approcher. Voilà, on l'a mis au sol, mais non le pirate. Juste qu'il va pas se réveiller à temps. Voilà, coup. Oh putain. J'allais dire, oh là, je vais me faire attaquer par le gros, mais en fait, il fait partie de mon équipe. Dormez bien vous deux là. Voilà, lui je l'ai fait exploser. Merci pour les 500 points, il a endormi son pote par la même occasion. Donc son pote va revenir dans quelques instants pour bien vous marrer. C'est une blague ou quoi? Attends, j'ai mal actionné le truc. Merci, 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 ça fait plaisir. Ah, c'est mon arc préféré, je te le jure. Combien pour le tuer celui-là? Je vais devoir me battre. L'approcher en fait. Là, c'est un peu doux, elle a du mal en fait à la voir. Quoi que tu Salut mon oiseau de malheur.
qu'est-ce que tu vas nous donner, toi, des éclats, des trucs comme ça, non? Ouais, je pense. C'est vrai, il rapporte pas mal d'éclats. Oh putain, et lui, il t'écrase. Hein. Lui, il te tue pas, mais il t'écrase. Ok. Donc, nous, notre objectif, si je me souviens bien, il est là-bas. Bien sûr, je vais le pirater, on l'a pas fait celui-là. Qu'est-ce que tu fais d'intéressant? Je peux même pas monter sur toi. Putain. C'est quoi leur délire à eux? Ça se gardera. Des fois, il y en a, tu crois que tu peux monter sur eux ou les chevaucher ou faire des trucs, mais non, tu peux pas. Alors, vérifions un peu ce qu'il y a à faire là-bas. La dinde, tu vas te calmer. Hein. La dinde, calme-toi. Putain, comme par hasard, il me donne des meilleurs trucs. Attends, je vais virer un truc. Je vais virer les câbles. Non, pas les câbles, les trucs. C'est quoi que j'ai ça? 3. La peau, ça se vend bien sur le marché. Ou les dents, ou les trucs comme ça. Faudrait qu'on trouve plus tard un marchand. Donc la zone corrompue, elle est là. Moi, je suis en plein dedans, en fait. Je suis en plein dedans. C'est là où c'est en face de la rivière. C'est vrai que c'est des tout petits poissons qu'on plus. Non, je rigole. Je sais pas, ça va être quoi. Plus niveau 23, ça va... Ah oui, je viens de capter. Ah bah d'accord. Ils m'ont pas laissé la plus facile pour la fin, quoi. Le pirater. Critique. C'est beaucoup plus cher que cela. Ça va prendre des points de la. Ah ouais, 2005. Ah, j'adore. Donc, attention. Ils sont pas si faciles que ça à attraper. Hein. Oh, tout ce qu'il nous a donné là. Ah, j'ai cru que c'était un mec qui était là-bas. Attends, je les vois sur moi. Bon, ça va être une flèche. Elle a déjà nettoyé la zone corrompue. Non, non, non. Non, il est pas encore nettoyé. Où est-ce qu'il est là? Je vois plus. Non, il m'a endormi en deux. Il m'a endormi. Où est-ce qu'il est passé? Avec le dernier coup, fatal. Il reste un dernier coup, c'est foutu pour lui. Attends, je me recharge un peu, j'ai tout ce qu'il faut. C'est quoi ça? Ok, c'est tout ce qu'il nous reste. Bon, il s'est cassé, il est juste en face, mais on va l'avoir. Et il va carrément de l'autre côté. Ah voilà, je vais pouvoir un peu nettoyer. Elle nous appartient, donc il en reste plus normalement. En fait, pourquoi je suis parti là? Parce qu'il y a des trucs à nous donner. Merde. Tu vois? Malheureusement. Elle aurait pas. Ok, il en reste un. Est-ce que j'ai pu voir? Est-ce qu'on a un peu nettoyé la zone? Pas sûr. De mon coup. Ouais, elle est nettoyée. Sauf qu'il en reste un en fait. Ici, il est pas là de là-bas. C'est pas grave, on peut tuer. Il y a des points. Où est-ce que t'es? D'accord, mais en fait, s'il est pas venu au combat, je suis dans la merde. Attends.
tu les rapportes un peu moins. Il était pas corrompu celui-là. Là, petit. Là il tire dessus encore là. C'est une blague ce jeu quoi. Il est où lui? Il est où le mec qui me tire dessus? Ça c'est le meilleur pour lui, ça n'a pas l'air. Où est-ce qu'il est là? Attends. Si on le tue, ça rapporte combien de points d'ailleurs? Je vais le faire violer. Il est en face. Ah, ok. Ben, je le vois, il est là, il est plus là. Je suis sûr que pas. Il arrive vers toi. Non, ben, fais ton raid, envoie-moi le truc que t'as sur toi. Eh ben voilà. On est complètement à fond. J'ai jamais vu. J'améliore tous les pièges. Hein. Si franchement, je suis complètement à fond, profitons-en pour tout mettre à fond. Ça m'a bien aidé ça au début. Même si j'utilise pas trop ces boules-là, je préfère les collants, tous les autres atouts. Ça c'est un arc qu'on n'a jamais utilisé celui-là. Ça c'est les flambées, les trucs basiques. Hein. Voilà. Elle est pas belle la vie franchement là. Bon, il y avait quelqu'un à parler dans le secteur, si je me souviens bien. Non, personne finalement. J'avais vu un tout petit point où je pouvais parler avec quelqu'un. Non, c'était la dernière zone. Il reste encore une zone corrompue ou pas? Je vais être sûr de mon coup. Ah bah si. Ah ouais. Il en reste encore une dernière. J'ai même pas voulu voir le niveau. Donc en fait, on en a fait quand même pas mal. Hein. Ouais, parce que c'est pour ça que ça m'a semblé bizarre qu'il n'y avait pas le trophée. Mais là, ils étaient quand même plus chauds parce qu'ils étaient un peu invisibles. Et ce qui veut dire invisible, ça veut dire qu'ils étaient quand même pas évidents. Mais bon, pour moi, c'était pas le plus dur. C'était les mastodons d'avant, là. Tout au début, dès qu'on a commencé, là. Eux, ils étaient un peu plus costauds. En fait, j'ai l'impression dans chaque zone... Dans chaque zone corrompue, ils nous mettent chaque espèce de... chaque catégorie, en fait, différente. C'est ce que je constate, en fait. Ah, j'arriverai jamais à parler, j'ai l'impression, parfois. Ah là là, Horizon il me fait bien marrer hein, quand même. L'un des meilleurs jeux franchement, ils ont bien étudié quoi. Que même dès que tu le termines, tu peux encore t'amuser un peu. Bon après tu me dis les zones corrompues, dès qu'on les fera, bah il y aura plus rien à faire. Je pense qu'on aura plus de boss ou de trucs un peu... On aura plus de challenge j'ai l'impression, on va voir. Hein. Niveau 18, pff, la rigolade, c'est des pensées qui en passent. Hein. Alors Buddy, il est dedans, ramasse les fleurs magnifiques comme ça. C'est là que tu vas te battre contre des oiseaux. C'est déjà fait je crois. Je les ai déjà... Ouais si les oiseaux je les ai déjà fait en fait, hors vidéo. Ils m'ont franchement fait transpirer. Alors c'est quoi la zone corrompue ici? Bonne chance que moi je vois rien. Ah ça c'est de la merde. C'est pas une phrase de Marianne, comment il met en vie. Et rapport nous, ça va, c'est pas mal. Ah, il m'a chargé un peu, attends, mon armée est activée. Mon armée elle clignote, ça veut dire qu'elle me protège plus. Elle charge bien quand même. Hein. Je me débarrasse des deux qui chargent. Et dès qu'on sera débarrassé d'eux, ça va devenir plus facile. Allez, j'y vais voir, moi ça rapporte pas beaucoup. Tu vois, je te l'avais dit, on voit le trophée. Ah, ça rapporte moins ici.
Parce qu'elle était moins puissante. Ah ouais, c'était pas mal quand même, c'est assez rapide comme zone. Voilà, on a tout plein de choses là. Merci. Qu'est-ce que c'est encore ces trucs là? Oh là, tout ce connard là. Attends, je me débarrasse d'un truc tout bête. Inventaire. Donc je vais me débarrasser de la... pas de la corde, de la viande. Voilà, comme ça on essaiera d'acheter encore quelques conneries. Hein. Tiens, on n'est jamais passé par là. Alors qu'est-ce qu'il nous propose d'intéressant ici? Là-bas j'ai repéré qu'il y a un truc violet qui brille. Une plante ou pas, vous pensez? De métal? Merde. Ah, c'est hyper chaud de passer par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui brille? Pèlerinage à Cocalimerdique, jour 5. Les essaims mornes jouaient avec Turtle Smash le jour de mon overdose. Enfin, selon le rapport de police. J'avais 15 ans. Quand je me suis réveillé 2 jours plus tard à l'hosto, j'ai d'abord vu ton visage. Ok, donc c'était un projecteur qu'on a eu. Donc là, on sauvegarde ici. Donc, tu vois, il y a tellement de territoires en fait qu'ils nous ont mis à disposition et qu'on n'a pas l'habitude forcément d'y aller quoi. Donc là, il y a quoi? C'est par là que j'étais passé, il y a des tortues. Moi, ils veulent m'envoyer là-bas. À première vue. Hein. Là, on a tout fait de ce côté-là, quasiment. Attends, est-ce qu'il y aura un chasseur sur mon chemin ou pas? Non, négatif, tu l'auras pas. Tiens, on va aller là-dedans. C'est à côté. Là, je vais vite les redescendre. Comme ça. Et je vais être bien... Ouais, faudra que je vende beaucoup de choses parce que là on est tellement rempli que je peux même plus ramasser des trucs. Et je vous dis pas tout ce qu'on peut avoir après. Ah ouais, donc ça redémarre à chaque fois à zéro. Ok. Ouais, tu m'as rapporté. Ouais, que dalle. Quand même méchant, tu me rapportes rien toi. Hein. Bon, tu ramasses les éclats. Je peux même pas. Plus cher cette fois-ci. Ouais, moi également j'ai plus cher. Hein. Merci. Bon, où est-ce qu'ils sont les autres? C'est juste à côté de l'objectif. Côté très proche quoi le truc. Hein. Donc là y'a quoi? Y'a pas grand chose. Oh la vache, comment j'ai failli de mourir là. Mettez 3 flèches, on sait jamais sur quoi on va tomber. Comme ça on va leur parler. C'est pas celui-là. Ah bah c'est un gros boss. Thank you.
je prends pas les trucs de veilleur, hein, je m'en fous. Ça maintenant c'est fini pour moi le veilleur. On a plus besoin de se faire chier avec ça. Attends, hop, on va fouiller. Oh, des jolis cadeaux là. Je dois poser quelque chose. Là, t'as quoi à nous donner? Ah, la flambée, c'est pas ce qui manque. Hein. Voilà, on est arrivé sur le pont. Ah non, même pas encore, c'est pas forcément à côté. D'accord, bon, des mains là. Mais je m'en rapproche. Qu'est-ce que... Ah ouais, ok. Là-bas, il y a des girafes, des conneries comme ça. J'aurais dû prendre un truc de flambé, ouais. Mon piratrain la prochaine fois. En tout cas, j'étais surpris, je pensais que c'était un boss en fait. Eh ben non, c'était pas un boss, mais j'y pensais. Ok, c'est juste en bas. On en pirate un, histoire de dire qu'on en a piraté un. Ouais, le problème, regarde, il charge. Nous, c'est où qu'on va aller là? Attends. Tiens, me droit, toi. Donc, je suis dans cette zone. Donc, il y a quelqu'un avec qui je dois parler. Il est en face. Il est en face. À mon avis, il faut que je me débarrasse. Je vais devoir abandonner autre chose. Attends. Faut que je me débarrasse de lui, je pense. Voilà, comme ça je suis sûr ça va débloquer l'histoire. Il est où le personnage là? Ah, il est sur le rocher ou pas? C'est une blague ou quoi le truc? Attends, trouver... Ah oui, non, faut que je trouve le machin. Ah, la menace pour le trouver. Attends, je passe par là, non? Faut qu'on trouve le bordel, attends. Non, je peux pas monter, regarde, hein. Curiosité. Mon focus trouvera peut-être. Sa mère. Bon, le focus, faut qu'il trouve quelque chose. Donc là, il y a un là-bas, il y a des pièces. Mais ça, c'est des trucs qu'on a déjà. Donc le rocher, il n'y a rien. Ah, ça m'écorche. Ouais, les fesses. Ça, c'est sûr. Bon, faut qu'on trouve quelque chose ici. Difficile de faire pas de marque. Qu'est-ce qu'il a tué? De l'écume près de sa gueule. Du poison? Donc les traces vont où? Non, c'est plutôt l'inverse. J'aurais dû prendre un... Il a une chose dans la gorge. Voyons voir. Ah, ça y est, oh, t'es trouvé? On dirait l'anneau de Tain. Faut qu'on aille retourner maintenant voir le mec. Attends, voilà, c'est ça que je vais afficher. Et où lui? C'était tout bête en fait, une mission celle-là. Tiens, lui, j'ai l'impression qu'il est mort également. Ok, faut que j'escalade. Y'a pas de souci. Parce que je vais essayer de faire tranquillement en paix. Voilà, parfait. Là, il y a quoi là? Bon, le mieux c'est de passer comme ça, comme ça, comme ça. Bon, normalement, c'est pas conseillé de passer par là, mais je le fais quand même. Attends, ils vont pas m'embêter ceux-là, je te le dis d'avance. Régénérer un peu. Merci. Il dort bien. Je fais attention aux dégâts de chute, hein, parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Vas-y, à l'œil.
J'imagine j'aurais fait toutes les quêtes secondaires, j'aurais gagné encore plus d'âmes vers la fin que le combat final. C'est un flot de quoi, on est déjà passé par là ou jamais? Attention en bas! Comment s'est passée la chasse? J'ai des pots de sanglier et ton anneau porte-bonheur, Thane. Loué soit la toute mère. Et toi aussi, bien sûr. Mais où l'as-tu trouvé? Dans le gosier d'un sanglier. Lui, il a pas eu de chance. Je crois que je vais le porter en collier maintenant. Voilà. Ok, une petite boîte sympa. Oh, c'est bien, c'est bien. Ah, attends, derrière moi. Derrière moi, derrière moi. Justement, on avait besoin de voir quelqu'un dans un village et maintenant il est à disposition. Profitons-en. Après, toujours des quêtes un peu à la con aussi dans les villages. Elle a été élue par la déesse. Ouais, ouais, c'est moi la déesse. Parlez-moi bien. Les défenses tiennent. Ouais, pas simple. Donc, c'est presque à côté le type. Hein. Par contre, comment je déteste la nuit moi dans les jeux vidéo. J'aime bien la journée. Quelque chose te plaît? Toujours. Je n'en doute pas. Bon, on va vendre des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? Parce que maintenant, on est tout à fond. Attends, est-ce que j'ai encore des armes à acheter? Par curiosité. Hein. Acheter des armes. Je sais pas si on a encore des armes à acheter ou pas. Si on a, je rigole. Ah non, mais c'est pas là, c'est méridien, je les trouverai. Bah écoute, je fais un dernier test. On est là, de toute façon. Je fais un tour rapidement à méridien. Il est où, méridien? Méridien, t'es où? Dit, c'est même pas où il est où Méridien, mais il se fout de notre gueule ou quoi? Méridien, il est là. Ouais, comme ça, j'achète les dernières armes. Bon, les tenues, je pense qu'on s'en fout royalement maintenant. De vous à moi, hein. Quelqu'un qui n'a pas la tenue légendaire, je pense que. Je veux dire, quelqu'un qui a déjà la tenue légendaire, je pense qu'il s'en fout complètement des autres tenues. Parce que moi, je pensais que tu la mettais par-dessus les nouvelles. Donc là, on n'a plus besoin du tout de se prendre la tête avec les tenues. Les armes, je pense qu'il nous reste une dernière légendaire. C'est celle qui permet justement de pouvoir, on va dire, capturer les espèces avec le harnais, là, le truc de protection. Et c'est tout, en fait, hein, si tu regardes bien. Après, je vois pas d'autres armes. Hein. Moi, je prends que les armes légendaires, par contre. Je prendrai pas les autres. Les autres m'intéressent pas, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a qui sont plus ou moins fortes et d'autres un petit peu moins puissantes. Au niveau des catégories bleues, c'est... Vert c'est plus facile, le bleu après c'est entre les deux et le violet bah c'est l'arme absolue quoi. Avec des améliorations beaucoup plus poussées. Ce qui est bien en fait c'est qu'on peut collectionner pas mal d'armes en fait, hein, je me rends compte aussi dans le jeu. En vrai je sais pas si c'est exactement les mêmes, justement je vais faire un truc de comparatif dans quelques instants. Et après je revends tous mes merdes là. Donc on a plus besoin de chasser, c'est un bon point positif ça. Parce que moi je m'attendais qu'on allait encore débloquer des sacoches. Parce que j'avais l'impression qu'il nous en manquait encore quelques-unes. À moins qu'il y en a, hein. C'est là que je rigole que j'ai pas encore retrouvé. Peut-être que t'as tous les armes Comment vous expliquer ça? Peut-être que t'as 6-7 armes en légendaire, mais on a peut-être 10 dans le jeu. Que tu peux juste en avoir 2 en mode normal, donc je sais pas. Ça va être le moment de vérité dans quelques instants. Et après, je me rends compte qu'il y a tellement de choses. Mais les flèches que j'utilise là, c'est pour moi les meilleures. L'arc le plus facile à faire. Au niveau des trucs, franchement, on est cool. Bon, allez, vas-y, lance-moi ça. Bon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Méridien, quelque chose qui brille en violet. Ah, en fait, ils me les remplissent tout le temps, les coffres, j'ai l'impression. Ouais, c'est pourri. Hein. Ça, ils auraient pu faire un effort, quand même. Hein. J'admets plus ce genre d'incivilité, là. Il m'offre quelques éclairs, non mais sont sérieux les mecs. Vas-y. C'est lui que tu dois parler. Alors voyons voir, maintenant c'est ça qui m'intéresse. Il y a combien d'armes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc il y en a une qu'on n'a pas, c'est celle-là. C'est la seule qu'on n'a pas. Donc je vous cache pas que je vais vite faire la débloquer. Il faut quoi comme cœur là? Cœur machin, je regarde vite fait. Ok. Je reviens. Ne bougez pas.
Ça, je la débloque rapidement, on n'en parlera plus. Je connaissais pas trop cette zone, mais maintenant je la connais. Allez, donne-moi ce que j'ai besoin. Alors, le fameux cœur. Peut-être de les violer. Hein. C'est juste de ma gueule, il est juste là. Ah merde, ma sacoche est pleine. Bande de salauds. Elle est pleine, ma sacoche. Ah merde. Attends, je vends ça. Ça me libère de la place. Bon, il était où le truc? Ah, comme ça, on achète tout la dernière arme et on n'en parle plus. Excuse-moi, je voudrais juste passer, s'il te plaît. Ça te dérangerait pas? Non, 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 si, si, si. Attends, il y a un raccourci. Normalement, tu passes par là. Voilà, comme ça, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, maintenant, offrez-moi la dernière arme. Voilà, équipé oui et non. Tiens, je vais le mettre là en attendant. On voit le trophée. Le trophée, je t'ai dit. Salopard, il veut même pas envoyer le trophée. Il veut même pas m'envoyer le trophée. Attends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on peut débloquer. Attends. Non, il n'y a pas de nouvelle sacoche. Ah, je te jure, j'ai trop rêvé là qu'il y avait une nouvelle sacoche qui s'est débloquée. Je me suis dit, eh ben, c'était aussi simple que ça. Non, finalement. La nouvelle sacoche ne s'est pas débloquée. Donc les tenues, pour le plaisir, on peut tous se les acheter si on veut. Mais à quoi ça nous servirait? Regarde, tu peux tous les acheter sauf celle-là. Ah mais on l'a déjà, c'est ça qui est bien. Juste pour vous faire plaisir. Combien elle coûte celle-là? Elle vaut 1000? Non. Non. Celle-là, je l'ai pas. C'est les éclats qui manquent. Les éclats. Donc attendez, là on va tout acheter comme ça. On aura tout vu. Il faut 2000, hein, donc ça va vite. Vous allez voir qu'on va être bien. Ouais, comme ça, on aura acheté toutes les armes légendaires, tous les tenues dans le jeu. C'est franchement un bon point positif tout ça, qu'est-ce que vous en dites? J'ai assuré mon rôle quand même au bout d'un moment, parce qu'il y en a, ils m'ont pas cru. Hein. Là, ils ont cru que j'allais faire du tourisme dans le jeu, que j'étais juste en train de les balader dans les coins et que je savais pas jouer. Voilà, on les a tous, à part celle-là. Et à part celle-là, la dernière. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot, il nous faut 800 maintenant de machin. Attends, combien ça vaut ça? Ça vaut que dalle en fait. Voilà, le sanglier, on peut le vendre, on s'en fout. Ces petites conneries là, je peux les vendre. Les rats, c'est pareil. Les oies, pareil. Donc, on fait la même chose. Ici, les enfourmis. On va être bien, ça y est, c'est déjà fait. De toute façon, on a tellement de conneries qui ne servent à rien. Voilà, achetons la dernière arme. Mur légendaire. Voilà, le trophée. Pas de trophée, j'ai tout acheté en légendaire, enfoiré, donne-moi le trophée, j'ai même la tenue légendaire, on a tout, vous avez vu, là on a vraiment tout, alors il y a combien en bleu, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, elle est pas belle la vie, on a tous les tenues, voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc là, on peut s'amuser sincèrement comme on veut. Donc on a les pièges, on a tout. Donc le jeu, il me plaît beaucoup quand même. Hein. Donc vendre, on va vendre encore tous les merdes que j'ai hein, en trop. Ça rapporte énormément de points, ça, je trouve ça là. Ça, c'est une tuerie, ça. Et en plus, le pire, c'est qu'il y en a énormément des trucs comme ça avec les gros boss. Regarde, tout ce qu'on a. Je te dis, les éclats, je peux arriver à 15 000 comme ça facilement. Elle est pas belle la vie là? Les puces c'est pareil, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir autant de puces, elle est sale. Je te jure c'est trop facile.
Ah, je kiffe. Ah, on a énormément de trucs. Ah ouais, ça se vend hyper bien. Ce truc-là, là. Oh, ça rapporte énormément, ça. Regarde. Cœur de brise, machin, là. Allez, on vend les deux. Non, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources, là. Waouh. Même les renards, là, comment ça... Ah, ça rapporte beaucoup, la peau de renard. Alors, vous en dites quoi, franchement? Donc, ouais, on a tout acheté, hein, si tu regardes bien. Tout, hein. Là, il n'y a plus rien. J'ai vite fait toutes les ressources. Bon, on a tout acheté. Et encore, le pire, c'est que vous allez vous foutre de ma gueule. Vous allez dire, c'est quoi? Regardez ce que j'ai encore en plus. Tout ce qu'on n'a pas ouvert. Tout ça, ça se revend en plus. Tu vois, il y a rien, tout ce qu'on a, rien, tout ce qu'on a. Bon, désolé, je vais vite, mais rien. Il y a énormément de choses. La blague. On a deux niveaux de compétences, donc là il nous restera encore à finir vite fait quelques trucs et après c'est bon. Donc la mission principale, bon elle est déjà faite. Là on va faire les deux. Les tâches annexes, on va les finir en quelques secondes. Ça c'est terminé, ces activités là, pareil. Zone de chasse, je déteste ça donc je les ferai pas. Ça c'est déjà fait. Les zones corrompues, c'est terminé. Didacticiel, il y a encore des trucs à terminer si on a envie d'XP un peu plus, quoi. C'est juste des conneries, quoi. Donc maintenant que j'ai tous les armes, on pourra peut-être s'amuser. Là, on a tous les enregistrements à quelque chose près. Chose qu'on s'en foutait, en fait, je vous le cache pas. Le jeu, on est à 66%. Eh, je t'ai dit, on sera pas loin du 100. Hein. Ah, ça fait plaisir. 66. Ah ouais, c'est génial. Bon, on se retrouve tranquillement dans un prochain épisode. Ok, on va essayer de se rapprocher du 100. Allez, à tout à l'heure. Gros bisous à tous.